place à présent au Real Aikido. Un art martial créé et développé par Lubomir Vrakarevich. Qu'on voit à l'image, il est mort l'année dernière. Real Aikido de Serbie, fondé par le maître Vrakarevich, qui nous a malheureusement quitté en novembre dernier. C'est une version rugueuse de l'Aikido qui nous vient directement de Serbie. À l'instar de notre ami Bulgare, que nous avons découvert tout à l'heure, Velin Adjolov, eh bien, le maître Vrakarevich a fait la même chose en Serbie, c'est-à-dire que c'était un instructeur militaire, et d'ailleurs très très réputé. Il a travaillé avec les forces spéciales serbes. Lui aussi, il a créé son style. Alors, c'est pas un Kempo, parce que sa base de travail, c'est plutôt l'Aïkido, mais il a décidé d'en faire une forme très particulière, très personnelle. Il s'inspire aussi du judo, hein. Oui, absolument, c'est aussi une synthèse, comme Adjolov. Il y a l'esprit de la synthèse pour faire une sorte de... Bah ouais, d'art martial personnel, faut être clair, c'est l'idée. Et il y a un nom, il y a le nom d'Aïkido, mais très clairement, c'est pas un Aïkido qui est reconnu par la Kikai de Tokyo, hein, c'est autre chose. Il faut pas le lire Real Aïkido, hein, c'est réel Aïkido, c'est-à-dire un Aïkido orienté vers l'esprit du combat réel. Et on voit que effectivement, c'est des techniques dures. Dans l'esprit des services spéciaux que le créateur du style Vrakarevich a longtemps fréquenté. Voilà, c'est des beaux bébés aussi, les combattants. Ils sont pas fragiles. Constater effectivement le brassard noir en hommage au sensei qui a disparu. Regardez, c'est un beau travail d'esquive aussi. Encore une fois, les femmes, très important. Alors, ce qui est conservé de l'aïkido, c'est quand même tout ce travail de l'esquive du pied arrière. On crée le cercle pour éviter de subir la force adverse. Hop là, petite claque et une projection. Alors, la version maîtrisée, hop, la rotation. C'est solide, c'est efficace, c'est du... Real Aikido. C'est ça.